Assis. Restez tranquille. Présent le plus spectaculaire de tous nos numéros. Descendant d'un illustre maître dans le maniement des couteaux, vous allez ce soir avoir l'honneur et le privilège de pouvoir être les témoins de son extraordinaire habileté. Alors, mesdames et messieurs, ne clignez surtout pas des yeux car ces couteaux vont à une telle vitesse qu'ils sont à peine visibles. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le maître des couteaux volants! Et alors? C'est moi, Sunny! Sunny double tranchant! Je suis l'extraordinaire. L'unique. Le plus grand maître des couteaux volants dont la réputation ne connaît pas de frontières. Je suis le descendant du grand Xiaoli.
Je suis celui qui ne manque jamais sa cible. Sonny double tranchant. Fou, fou. Vous êtes impatient de voir ça, hein? Commence son délire. Alors, je vais commencer. Tenez-moi ça. N'ayez surtout pas peur, et puis après le numéro, je vous donnerai de l'argent. Alors, vous la tenez bien droite, bien devant vous, compris? Très bien. Détendez-vous. Il est pathétique. Mesdames et messieurs... Appelez une ambulance. Une fois que j'aurai lancé le couteau, vous serez tous émerveillés. Encore me déranger? On réglera ça en temps voulu. Tu peux compter sur moi. Je vous paierai tout à l'heure. Allez, à toi, monsieur l'imposteur. Je te laisse une chance. Montre-moi un peu ce que tu vaux. Mais attention, faut pas que tu rates ton coup. Parce qu'alors là, tu seras un homme mort, je te le garantis. Vas-y, allez! Laissez-moi passer. Allez, poussez-vous. Venez, voilà, asseyez-vous. Asseyez-vous. Taichu, je t'ai amené deux petites nouvelles pour te tenir compagnie. Tu sais, je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines à vouloir garder ce gamin. Il est dangereux. Il va t'attirer des ennuis. Et puis son père est mort depuis des années, tu peux très bien le virer. Lui, un maître des couteaux. Tu parles. Taichu, faut pas m'en vouloir. Je voudrais t'en lancer les couteaux. Écoute, à force de vouloir jouer avec moi, je vais finir par te tuer pour de bon. Hé là, ça ne sert à rien de t'énerver, Taichu. Va plutôt t'amuser. Allez, occupez-vous bien de lui. Allez, allez, amusez-vous. Prenez du bon temps. Allez. Allez, ça suffit, détache-moi de ce truc-là. S'il te plaît, si tu veux, je t'invite à dîner. Allez, reste pas planté là, détache-moi. Tu sais, tu devrais te méfier de Taichu. Il n'a pas vraiment le sens de l'humour. Si tu continues à le chercher, un jour il finira par te tuer. Tu ferais mieux de retourner à Hong Kong. Tiens. Non, je partirai pas. J'aimerais tellement lancer les couteaux. Mais tu veux jamais. Alors je saute sur la moindre occasion. Ne dis pas n'importe quoi. Tu veux lancer les couteaux? Je te rappelle que je t'ai vu grandir. Si tu étais doué pour ça, alors je le saurais. Je ne cesse de te répéter que tu n'as absolument aucun talent pour les couteaux. Alors crois-moi, tu ferais mieux d'oublier cette idée. T'es juste doué pour attirer les problèmes. Alors sois heureux que je te supporte et que je te laisse travailler dans mon cirque en tant que clown. D'ailleurs, si je n'avais pas promis à tes parents de veiller sur toi, je t'aurais mis à la porte depuis longtemps. Donne-moi juste une chance. Pas question. Non. Je sais que je peux le faire. Non, bien sûr que non. Je t'assure que si. Et moi, je t'assure que non. Je peux le faire. Arrête de dire n'importe quoi. Tu ne sais rien faire. T'es incapable de lancer des couteaux. Et incapable d'être un homme digne de ce nom. Ressens les choses avec ton cœur. Vise avec tes yeux. Lance avec force. L'air et le vent ne font qu'un. Tu dois être l'ami du vent pour qu'il puisse guider tes couteaux.
peux le faire, mon fils. Est-ce que je suis vraiment si peu doué que ça? Qu'est-ce qui se passe? Attention! Il y a de l'or dans la montagne! On va toucher le jackpot! De l'or? Non, non, attends, t'es sûr? Oui, j'ai entendu des gars en parler! Suivez-moi! Venez! J'ai entendu dans le bar tout à l'heure. Ils racontaient qu'ils avaient une carte indiquant l'emplacement d'un fabuleux trésor. Ce seraient des lingots d'or laissés là par les Japonais pendant la guerre. Cette fois, on est riche. Chérie, si tous ces lingots d'or étaient à nous, on n'aurait plus besoin de continuer à faire les pitres dans ce maudit cirque. Chérie, si cet or était à nous, j'engagerais 10 domestiques pour te servir et on ferait le tour du monde. Tu veux qu'ils me surveillent pendant que tu me tromperas? Non, j'oserais jamais. Bien sûr que si. On se calme. Suivez-moi. Oh non, la honte. Heureusement qu'il y a personne dans le coin. C'est la honte de tomber d'aussi bas. Tiens, je crois que je vais tenter de ce côté. Ça a l'air encore plus élevé. Hé! Taichu? C'est alors? Il y a foule ici, dedans. Vous êtes venus faire un feu de camp pour vous amuser bien, les gars? Ils sont déjà bourrés à 7 heures. Je faisais l'idiot dans les arbres et... je comprends pas. D'un seul coup, j'ai eu des vertiges. J'ai absolument rien vu. C'est le destin qui t'envoie. Tu peux pas savoir à quel point tu tombes bien. Sonny, tu peux dire que c'est ton jour de chance. On a une belle surprise à partager avec toi. Ça te dit hein? Allez, viens. Sombre. C'est immense ici et il fait tellement sombre. J'espère qu'il n'y a pas de fantômes. Des monstres. C'est juste des ossements humains. Tu crois? Les hommes ont une colonne vertébrale aussi longue que ça? Et t'as vu ce crâne? Il est aussi gros qu'une marmite. Et il a des griffes aussi. Oh, on a découvert des aliens! Que ce soit des monstres ou pas, de toute façon, ils sont morts. Merci, j'avais remarqué. Oh. Tiens, va voir là-bas. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Oh. Allez. Il y a un passage par là? Ah oui, c'est allez, bon, je le vois. Excusez-moi.
moi. Paix à vos âmes, paix à vos âmes. Taichu, j'aime pas ça. Trop de gens sont morts ici. Je crois qu'on ferait mieux de partir vite. Tu peux bien la fermer? T'étais muet dans ta dernière vie? Continue à l'ouvrir et tu finiras comme eux. C'est quoi toutes ces caisses? Je sais pas. Hé! Hey. Quoi? Ouvre-moi ce truc. Hein? Ouvre-le! J'ai plus de force. Qu'est-ce qu'on va faire? Hé, oh. Hey, j'ai une idée. C'est toi le plus fort, alors t'as qu'à l'ouvrir. Mine, quoi de faire ce qu'on t'a dit? Ouvre ce truc! Oh, mon bras? Oh, ça alors? J'ai plus mal. Hé, hey, regarde, ça va? T'es mal? T'es sûr que t'as plus mal? Alors ouvre ça. Allez. Emmène Sonny monter la gueule. On va monter la garde? Allez, avance. Et monter la garde avec toi. Regardons s'il y en a encore d'autres. Dis-moi, il n'y a que nous ici. Ça sert à quoi de monter la garde? Yeah!
tu l'as pas vu monter à bord? Non, oh, qu'est-ce qu'il a? T'as vu sa tête? Mais attention, c'est peut-être contagieux! Qu'est-ce qu'on fait? Faut pas qu'il voit ce qu'on transporte! On n'a qu'à le balancer à la mer! Du poisson salé, oh, toujours ça. Oh, c'est pas mal. C'est bon. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Tu voles du poisson? Venez! On vole notre poisson! Réveillez-vous! Que j'ai un pneu crevé. Est-ce que... Est-ce que vous pouvez m'aider? Alors, dis-moi, t'as sauté dans la mer? Non. Alors, tu t'es fait agresser? Non, non. Alors, qu'est-ce que tu faisais en pleine nuit, dehors, seul et tout mouillé? Je suis allé nager un peu, c'est tout. Oh, d'accord, t'es allé nager. Et tu gardes toujours tes fringues quand tu nages? Tu as une carte d'identité? Tu sais, je peux te conduire dans un commissariat si tu veux. Ah, non. Pas la police. Non, j'ai les papiers. Je suis Li Fei. Je suis le célèbre et fabuleux Sonny Double Tranchant, le gars du cirque. Ça alors, quel titre? Ouais.
En fait, je suis dans la troupe de cirque du tonnerre et mon truc, c'est lancer des couteaux. Tu veux que je te conduise à l'hôpital? Non, c'est inutile. Je me demande juste comment j'ai pu grossir autant que ça. Je pense que le mieux, en fait, c'est que tu me ramènes chez moi. Je voulais dire que t'es vraiment gentil, mais je sais même pas comment tu t'appelles. Mon nom, c'est Angel. Ça te va très bien comme nom, Angel. Je t'ai déjà vu. Je t'ai vu à la télévision. Oh, ouais, c'est toi. T'es la jolie fille qui présente les infos sur CSS. Les gâteaux sont vraiment délicieux. Je te remercie, Angel. Angel, tu sais, en réalité, je suis pas aussi gros que ça. Je suis plutôt mince. Évite de ressauter dans la mer à l'avenir, s'il te plaît. Merci, Angel. De rien. Au revoir. Au revoir. Oncle Tac. Oncle Tac. Pourquoi ils sont pas encore rentrés? Aux alentours de minuit, une spectaculaire attaque de fourgons blindés s'est déroulée sur Wintai Road dans le quartier de Kowloon Bay. Le butin de cette attaque s'élèverait à plus de 5 millions de yens. Au cours de cette soirée, les locaux d'un joaillier ont été aussi cambriolés. Si lors de l'intervention des forces de l'ordre, de nombreux coups de feu ont été tirés, aucune blessure par balle n'a par contre été relevée sur les policiers blessés dans la fusillade. Il semblerait que ceux-ci aient été atteints par de lourds objets lancés par les cambrioleurs. Le butin de ce vol s'élèverait à environ 30 millions de yens. D'après les témoins, le groupe serait composé de trois hommes et une femme au physique aussi étrange qu'effrayant. L'attaque se serait déroulée de façon similaire aux précédentes, mais il nous est pour l'instant difficile d'en dire plus. La police ayant décidé de ne pas divulguer d'informations au public. Il s'agit du 8e cambriolage opéré sur le même mode en une semaine. Et ce qui est étrange, c'est que dans les 8 endroits, elle a été signalée la présence d'un mystérieux personnage. Quelles armes ont-ils utilisées? Apparemment aucune. Comment ont-ils cassé les vitrines? Ils auraient envoyé un des gardiens contre un mur et les vitrines seraient tombées. C'est bizarre. Commandant? Voici le professeur Yu, du centre de recherche biochimique. Les deux personnes juste derrière sont des experts venus du continent. Lui, c'est Xuno, et elle, c'est Chen Xiwa. Ils ont déjà eu l'occasion d'arrêter des criminels avec des pouvoirs surnaturels. Confiez-leur la mission.
Tsuno. Tu sais qu'on compte sur toi. Si tu arrêtes vite ces voleurs, alors je doublerai ta paye, d'accord? T'as vu ça? Il surpasse tous les autres. Et ça change quoi? Hé, chérie, t'as vu la taille des bagues? Elles sont beaucoup plus grosses que celles qu'on a choisies. T'as qu'à te servir. Après ce qui vient de leur arriver, une de plus ou de moins, ils le verront même pas. Notre mariage est dans un mois et je voudrais pas qu'il ait lieu dans une prison. Un mois, c'est trop. Laisse-moi 20 jours. Ça me suffira pour les attraper. Et après, je t'épouse. Salut. T'aurais pu prévenir. Je t'attendais pas. D'après le planning, la semaine prochaine, je vais jouer les paparazzi. Pourquoi? Écoute, Angel, on a une plainte de Monsieur Lam sur le dos. Il te reproche de l'avoir diffamé lors de ta dernière interview et il nous a envoyé une assignation devant le tribunal. Le patron a donc choisi de faire de toi son bouc émissaire. Tu sais que cette histoire date d'il y a 2 ans. Oh. Écoute, Angel, ils t'ont pas viré, c'est déjà pas mal. Toutes ces personnes riches aiment s'amuser avec leur pouvoir. On peut rien y faire. Arrête de mentir. Je veux connaître la vérité. Tu veux tout savoir? Ok. Ils ont décidé de donner leur chance à de nouveaux talents. C'est tout. Un nouveau talent? Yo-Yo? Ouais. Écoute, je t'ai défendu, mais ils n'ont rien voulu savoir. Tout ça, c'est juste du business. Et puis toi aussi, un jour, tu as été une nouvelle. Et toi aussi, en arrivant, t'as pris la place de quelqu'un d'autre. Tu sais, ce que veut la boîte, c'est un retour sur investissement. Ça fait à peine 2 mois qu'elle travaille ici. Je sais. Elle n'a aucune expérience. Elle a du mal à articuler convenablement. Malgré tout, je vais être franc, alors ne le prends pas mal. Yo-Yo est plus jeune que toi, elle est plus séduisante et les téléspectateurs la préfèrent. C'est tout. Et ça me convient comme ça. Et elle te convient encore plus quand tu couches avec elle. En admettant que ce soit vrai, qu'est-ce que ça change? Angel, ton heure est passée. Tu crois pas qu'il vaut mieux que tu partes maintenant? Au moins les gens se souviendront de toi comme de la beauté qui présentait les infos. Et de toute façon, tu devrais savoir qu'on ne peut contrôler ce qu'on ressent pour une personne. Alors d'abord, je te plaque, et ensuite je fous le camp d'ici. Et ne m'adresse plus jamais la parole. Chérie, je suis content de te voir, mais tu devrais prévenir avant de passer. Tu vas regretter de m'avoir fait ça. Je suis rentré à Hong Kong. Pourquoi?
Pourquoi vous êtes pas là? Qu'est-ce que t'as encore fait, petit con? Toutes les polices de Malaisie vous recherchent. Ils ont saisi tout le matériel du cirque. J'ai plus rien. Je peux même pas changer de slip. Mais j'y suis pour rien. C'est à cause de Taichou et des autres. Je t'ai dit 100 fois de ne pas traîner avec eux. Oh, oncle Tac. J'ai peur. Je crois que je suis malade. Je suis tout mince. T'as toujours été mince? Pas toujours. Hier, j'étais énorme. Qu'est-ce que tu racontes? Là, je vois un moustique voler au ralenti. T'es complètement cinglé. T'as plus que deux solutions, la police ou l'hôpital. De toute façon, les flics m'arrêteront. Si t'as vraiment rien fait, t'as pas de raison d'avoir peur. Tu ferais mieux de te dépêcher d'aller porter plainte. D'accord. Au revoir. Tu veux me piquer? C'est pas normal, ça. Circulez, circulez! Faut pas rester là, c'est dangereux! Hé, hey, vous là! Circulez! Circulez! Allez, reste pas là! Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis venu pour porter plainte! Tu choisis mal ton moment. On a une prise d'otage. Reste pas là, va dans un autre commissariat! Qu'est-ce que vous attendez? D'accord, je comprends. Il y a un type avec un flingue. Il retient une fille en otage. Et aussi, j'aperçois une, deux... Il y a deux personnes allongées. Quoi? Mais comment vous pouvez voir ça d'aussi loin? Je le vois très bien, je vous assure. Personne ne tire tant qu'il tient l'otage. Si on ouvre le feu, elle risque de mourir. Là où je la tue! Équipe 1, tenez-vous prêt. Barrez-vous, sale enculé de flic! Vous entendez? Barrez-vous! Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Angel, c'est au commissariat, un type a pris des personnes en otage. Je travaille pour CSS. D'accord, allez-y. Je suis avec eux. Allez-y. Monsieur, vous ne pouvez pas passer. Le secteur est bouclé. Angel? Oui. Hé, hey, tu te souviens de moi? Sunny! Je connais pas de Sunny. C'est moi, le lanceur de couteau. C'est moi, voyons, le gros type de l'autre soir. Quoi? Je suis redevenu mince. Pourquoi la bagnole n'est pas encore là? Écoute, arrête de me parler, je crois bien qu'il a tué quelqu'un. Non, c'est bon, elle est encore vivante. On dirait bien qu'elle n'arrive pas à respirer. Enculé! T'arrives à voir ça de là? Le preneur d'otage, il pointe son arme sur la tête de la fille. Et il l'étouffe avec du scotch. Il l'étouffe avec du scotch. S'il continue, elle va mourir. Maintenant. Je peux te demander une faveur? Ouais, tu veux quoi? Accorde-moi une interview exclusive. Oh. Nous avons affaire à une mutation génétique extrêmement rare. Elle a pour principale conséquence une prolifération anormale des cellules. La transformation est aléatoire et vos cartilages ne cessent de pousser. Arrête ton charabia. Tout ce que je veux savoir, c'est quand je vais pouvoir retrouver une apparence normale.
D'après vos dires, vous avez été, vous et vos amis, contaminés par une substance chimique. Je dois d'abord découvrir la composition de cette toxine pour espérer trouver un remède. Pour l'instant, je n'ai absolument aucun moyen de vous guérir. Je vous en supplie, épargnez-moi, j'ai une femme et des enfants. Taichou, est-ce que tu peux venir voir? Ce matin, une prise d'otage a eu lieu dans un commissariat. La femme policière qui était retenue par le ravisseur est saine et sauve et vient de sortir de l'hôpital. Le preneur d'otage, qui lui a été blessé et arrêté par la police, devra rendre compte de ses actes devant la justice. Vous pouvez voir actuellement à l'image l'homme dont nous ignorons l'identité et qui a aidé à neutraliser le preneur d'otage. Nana, regarde-le, il a inhalé le gaz comme nous. Je veux savoir pourquoi il n'a rien. Pourquoi le poison n'a eu aucun effet sur lui? Il peut y avoir plusieurs facteurs. Son métabolisme est différent du vôtre et... il n'a pas dû subir la même exposition que vous et il est peut-être immunisé contre cette toxine. T'as tué mon frère. Mais tu vis encore. Et tu n'as pas changé d'apparence. Bonjour à tous, je suis Angel Chen. En ces temps de grande criminalité, est apparu un héros anonyme qui a réussi à débloquer une situation de crise à l'aide d'un simple morceau de bambou, permettant ainsi la libération d'une policière retenue en otage. Il se trouve juste à côté de moi et je crois que le mieux est de le laisser se présenter. Bonjour. Salut. Mon nom est Li Fei. Mais on m'appelle Sunny. Sunny double tranchant. Avec un tel surnom, il est clair qu'on ne peut s'empêcher de se dire que tu dois avoir un don vraiment exceptionnel. Et en voyant l'endroit dans lequel tu vis, une question s'impose. Est-ce que les arts martiaux ont un rapport avec ton travail? Oh non, les arts martiaux n'ont rien à voir là-dedans. En fait, cet endroit nous sert à répéter nos numéros de cirque. Je fais le tour du monde avec un cirque. Et nous donnons des représentations. Cet art de lancer les couteaux, comment l'as-tu appris? C'est mon père qui m'a transmis cet art. Mon père est le 26e descendant des Xiaoli. Le grand maître des couteaux volants. Où se trouve ton père aujourd'hui? Mon père n'est plus de ce monde. Mais ça n'a pas d'importance. Mon père m'a appris une chose. C'est que la vie est comme un couteau. Une fois qu'il est lancé, il doit atteindre sa cible. Et si tu nous faisais une petite démonstration pour nos téléspectateurs? Sois naturel, fais comme si tu étais sur scène. D'accord. Je vais vous montrer ça. Moi aussi, j'ai envie de voir ce que tu sais faire avec des couteaux. Taichou? Angel. Bonjour, Angel. Je suis un de vos admirateurs. On pourrait peut-être être amis, mais il faut d'abord que je règle un truc. Oh. Oh, Sunny. Pourquoi t'es le seul à pas avoir changé? Taichou? Toi non plus, t'as pas changé. Je te trouve bon gosse. Tu t'es soigné avec quoi? Du poisson. Et aussi quelques petits gâteaux. Et puis je suis devenu énorme et je suis redevenu mince. J'ai vomi, j'ai eu la diarrhée et ensuite j'allais beaucoup mieux. C'est étrange, non? Écoute, tu vas être bien gentil. Et tu vas venir avec moi. Non, je préfère pas. Je t'ai dit de me suivre, Sunny. C'est bien! Ah!
Sunny. Cette nuit, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé de mon frère. Et il m'a dit qu'il était mort d'une façon horrible. Ton frère est tombé tout seul. Il a glissé et il s'est tué. C'est pas moi. J'y suis pour rien dans tout ça. Je t'ai vu le frapper et provoquer sa mort! Tu sais, jamais je n'aurais pensé que Dieu puisse être aussi injuste que ça avec nous. Il nous a donné un immense pouvoir. Mais il nous a transformés en monstres. Alors pourquoi est-il tellement indulgent avec toi? Chérie, ils ont évolué à une grande vitesse. Ils ont déjà atteint le deuxième stade. Aucune importance. Heureusement, le destin t'a envoyé ici. Pour que nous devenions parfaits. Ton sang sera notre antidote. Tachou, je t'en supplie. Ne fais pas n'importe quoi. Écoute-moi, je vais te donner une recette. Je vais te donner une recette. Écoute-moi. Prends de la racine d'astragale, 200 grammes de ligname, 250 grammes de fritière, de la racine de campanule et des nèfles du Japon. Ajoute-y un peu de sucre, ce sera meilleur. Ah bon, d'accord, d'accord. Oui, le sucre. L'important, c'est la cuisson. Thank you.
Sunny! Sunny! Chérie, je crois que Sunny ne fait pas partie de la bande. Il est différent d'eux. Et alors, qu'est-ce que ça change? Lui aussi a été contaminé. Et il faut qu'il nous dise où trouver les autres mutants. Avance tout doucement. Avance encore un peu. Encore. Oui, oui, c'est bien, là, c'est bien. Tu t'arrêtes sur cette image et tu incrustes le générique. Que les choses soient bien claires, cette histoire de mutants n'est que de la pure spéculation. Alors arrêtez de répandre des rumeurs qui ne font que semer la panique. Alors comment expliquez-vous les vidéos et les photos qui ont été prises? Comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des mutants et nous les arrêterons bientôt. Avez-vous vraiment les moyens de lutter contre eux? Chef, regardez. D'où ça sort? Le cas de Sunny est vraiment très particulier. Je n'avais encore jamais vu ça. Son sang contient de fortes concentrations de toxines, mais celles-ci n'attaquent pas tous ses organes. En fait, elles lui ont donné une force plusieurs fois supérieure à celle d'un homme normal. C'est comme si ses anticorps formaient une sorte d'alliance avec les toxines. J'ai comparé les premières analyses effectuées sur Sunny avec celles que nous avons faites sur Heijun. Et il en ressort que les muscles et les os de Sunny n'ont subi aucune altération notable pour l'instant. Pour terminer, je pense que l'on peut dire qu'avec Sunny, nous avons... Nous sommes en présence d'un cas tel que l'on n'en rencontre que très rarement. Il n'en demeure pas moins que c'est un mutant et qu'il représente une menace pour la population. Je pense donc que nous devrions l'enfermer pour très longtemps. Le garder enfermé ne me semble pas être la bonne solution. Il fait actuellement la une de tous les journaux et les gens sont heureux de voir en lui une sorte de héros qui arrête les bandits et surtout combat les mutants. Alors si nous l'enfermons, comment vont-ils le prendre? Madame Chen a une idée intéressante qui, je pense, vaut la peine d'être écoutée. Étant donné que cacher notre héros paraît être difficile, je crois que nous devrions suivre l'opinion publique et faire de lui une sorte de sauveur providentiel, une incarnation de la justice. On pourrait le voir dans des pubs, des shows, il serait notre porte-parole. Je connais très bien le monde des médias, je pourrais être son agent. La police aura vraiment tout à y gagner. Sunny lui permettra de regagner la confiance des citoyens. Chérie, tu sais, je crois que c'est elle qui aura le plus à y gagner. Je suis d'accord avec vous, mademoiselle Chen. Je pense que nous devons battre le fer tant qu'il est chaud. Alors vous serez chargé de la promo de Sunny. Chef, je pense que c'est une très bonne idée. D'autant plus que nos deux fameux experts n'ont jusqu'à maintenant pas été capables de mettre la main sur les mutants. À partir de cet instant, je vous nomme tous les deux responsables de la protection de Sunny. Vous nous prenez pour vos larbins. Xuno, tu viens, on s'en va. D'accord. Je veux bien collaborer avec la police. Mon rasoir est impitoyable. Il ne rate jamais sa cible. Alors grâce à lui, tous les poils rebelles seront éliminés. Oh non, il reste collé. Coupé, on l'a refait. Mince, voilà des mutants. De la détermination et de l'adresse pour être un vrai héros. On poursuit des mutants, on n'a pas une minute à nous pour se reposer. Alors, heureusement, mon tulle à diarrhée est là. Parce que, comment faire pour chasser les mutants lorsqu'on a très mal au ventre? Tulle à diarrhée. C'est cool. Revoilà les mutants. Revenez-la, sale mutant. Alors, ça va? Tu fais comment? C'est bon, il faut qu'on se dépêche, on nous attend ailleurs. Allez, viens, Sunny. Tenez, je vous prends ça. Gardez-moi ça. Débouche-nez double tranchant. Du sucre, des œufs, voilà. Et ensuite, on mélange bien comme il faut. Oui, c'est terminé. Ouais, génial.
Matthias qu'il essaiera toujours et encore de faire mieux pour vous tous et qu'il sera toujours votre Sony double tranchant. Faut lui dire qu'ils sont sur le point d'agir. Et alors? Qu'ils viennent, je les attends. Alors si t'étais si tranquille ces jours-ci, c'était pour utiliser Sony comme appât? Qu'est-ce que tu croyais? Chérie. Chérie. Est vraiment très réussi. C'est gentil. Un peu de vin? Non, jamais pendant le service. C'est très professionnel. C'est pas trop dur d'avoir à nous suivre partout. Non. Mais en fait, si on est là, c'est juste pour attraper la bande de mutants. Et j'ai réalisé que devenir un mutant, ce n'est pas ce qu'il y a de plus effrayant. Comment ça? Certaines fois, il arrive que l'on perde de vue ce qui est vraiment essentiel. Que l'on se perde soi-même. À force de courir après la gloire et la richesse, on finit par changer sans s'en rendre compte. Tout est si calme, ça fait drôle. C'était pas arrivé depuis si longtemps. Je me disais qu'il faudrait qu'on ait une petite maison au bord de la mer. On aurait une vie paisible. D'accord. On attrape les mutants et on l'achète. On devait faire quoi demain? T'as encore repoussé la date de notre mariage. Chérie, cette fois j'ai vraiment confiance. On a réussi à trouver leur point faible. On va pouvoir régler tout ça très rapidement. On n'a jamais affronté des mutants aussi puissants. Xuno, on devrait demander un coup de main. Pourquoi? Et puis qui pourrait bien venir nous aider? Sunny. Après tout, lui aussi c'est un mutant. Tu ne crois pas qu'on devrait faire appel à lui? Tout serait beaucoup plus facile, non? Tu me fais pas confiance. Alors tu crois que je peux pas régler ça tout seul, sympa? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais que c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais tu vois, l'autre jour, t'as quand même fait courir un énorme danger à Sunny. En refusant d'appeler la police alors que les mutants étaient là.
Je trouve que t'as été un peu égoïste. Je suis égoïste? Si ça te fait plaisir de penser ça. Tant que ma réussite ne m'aura pas rendu célèbre, je ne pourrai pas être tranquille. Si on veut notre petite maison près de la mer, je dois arrêter ces mutants et là, je me sentirai bien. Tu te sens pas bien? Si, ça va. T'es vraiment sûr? Ce nid double tranchant peut résoudre tous vos problèmes. Si t'as un problème, je peux t'aider. Est-ce que tu trouves que je suis méchante? Non, pas du tout. Et si on considère que je t'utilise à des fins personnelles? Est-ce que tu trouves que je suis égoïste? Du moment que t'es heureuse, ça me va. Angel. Sans toi, j'aurais jamais réalisé mon rêve. Je peux enfin être comme mon père. Je peux enfin être un vrai lanceur de couteau. Quelle que soit la méthode, je dois te remercier. Tu es trop gentil. T'attends mon signal pour bouger. Vas-y, attaque-le. Bien, décale-toi un peu. Regardez tous les deux à gauche. Super. Tout le monde à table. Le déjeuner est prêt. Ils sont pour toi. J'y ai passé la nuit. Alors, le super-héros, tu as l'air surpris. Pourtant, je t'avais bien dit que j'en viendrais. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton sang, car lui seul peut me guérir. Taisho, je t'assure que tu te trompes. Je ne peux pas t'aider à guérir. Alors, oublie cette idée. Ferme-la! Je veux ton sang. Votre appel ne peut aboutir. Veuillez réessayer ultérieurement. Tu dois comprendre que ta vie m'appartient. Et... Angel aussi. Angel est à moi. Ne touche pas à Angel! T'as entendu ce que j'ai dit? C'est facile à comprendre! Taishu, c'est quoi ton problème? T'as le cerveau en compote? Tant que tu seras vivant, tu ne m'échapperas pas! Ah ah ah. Viens avec moi! Encore toi! Dis donc, t'as mis le temps? Je vais te vider de ton sang. Et je vais l'offrir à mon homme. Oh!
quatrième porte de qui est scellée. T'arrives plus à bouger? Tiens-moi, scellé! Devenir un rat de laboratoire. De toute façon, tu ne peux plus bouger, alors attends-moi ici patiemment. Je t'attendais. Chérie, faut pas qu'on reste là. Ma chérie, je vais enfin pouvoir honorer ma promesse envers toi. La date du mariage ne changera pas. Chérie, t'as aucune chance de réussir à le battre, alors viens, faut qu'on parte de là. Aucune chance de le battre? Je viens juste d'en tuer un dehors. Et puis t'as vu sa tronche? Chérie, regarde bien ce que je vais lui mettre. Chérie! Dégage!
Non, mais t'as vu ça? J'aurais jamais cru que ces monstres pouvaient évoluer aussi vite. Même les points d'acupuncture n'ont pas d'effet sur eux. Mais au moins, j'en ai tué un. Bon alors, tu me trouves toujours aussi nul? Chérie, faut des aiguilles en argent et 2 doses d'anesthésiant. Avec ça, la prochaine fois, on les aura. Chérie! Chérie, tu vois, je trouve pas ça marrant. C'est pas drôle. Je peux pas le croire. Chérie, j'adore quand tu m'appelles chérie. Il n'y a que toi qui as le droit de le faire. Chérie. Reste calme. Ça va aller, je te le promets. Non, faut pas dormir. Je t'emmène à l'hôpital. Tout ira bien. C'est pas la peine. Chérie, je suis désolée. À cause de moi, tu vas être tout seul. Tu vas devoir veiller sur toi tout seul. Je veux pas que tu dises ça. Je veux pas que tu m'abandonnes. Parce que sans toi, je ne suis plus rien. Ne m'abandonne pas. Mon chéri. Surtout souviens-toi que quoi qu'il puisse arriver, tu ne dois pas perdre la tête. Mon chéri. Chérie. Tout va bien. Ne t'en fais pas. Où que tu ailles, je serai toujours là. Je serai avec toi. Tu ne seras jamais perdu. Chérie. Que c'est beau ici. Jamais.
Merci de m'avoir sauvé. On est identiques. Notre vie est foutue. Maintenant, plus rien ne me concerne. Ce que je devais faire, ou ne pas faire. J'ai déjà tout fait. C'est le moment de se quitter. Pendant quelque temps, j'ai pu vivre comme un roi. J'étais le roi des couteaux. Ça a transformé toute ma vie. Je pensais que j'allais être heureux, que c'était une réussite. Mais en réalité, je me suis trompé. Tu cherchais à obtenir la gloire, et t'étais prêt à mourir pour ça. Et là, tu voudrais tout plaquer. Xunho, s'il te plaît, aide-moi. Xiwa l'avait suggéré. Toi qui es mutant, penses-tu être capable de les battre? Je vais t'apprendre à utiliser ton potentiel, Sunny. C'était le souhait de ma chérie. Ce sera mon dernier devoir. Tu as respiré une grande quantité de toxines, mais tu as réussi à les assimiler. Tu es considéré comme un demi-mutant. Tu peux utiliser ton potentiel seulement en cas d'extrême danger. Mais cette force, tu peux réussir à la contrôler. Tu peux améliorer ta précision au couteau. Maintenant, je vais t'apprendre à renforcer ta concentration. Concentre-toi sur ton objectif. Ne pense à rien d'autre. Plus tard, je te révélerai la seule faiblesse de Taishu. Pour l'instant, les experts n'ont toujours pas trouvé de solution pour régler ce problème. Les mutants ont non seulement enlevé 6 biochimistes dans leur laboratoire, mais ils ont aussi déclenché de nombreux incendies et sont tenus pour responsables de la mort de plusieurs innocents. Mademoiselle Chen, vous devriez vous reposer. Ça fait 2 jours que vous n'avez pas dormi. Si on a des nouvelles de Sunny, on vous préviendra tout de suite. Est-ce que vous pouvez m'aider? Mon nom, c'est Angel.怎么会相见，又怎么会发现，在那弹指刹那间，浅浅串串，忘了怎么，那看不透的脸，怎么还有眷恋，多么感谢你给我明天，给我勇气，还有给我信念。 情薄缘浅，也许相知相分有期限，情缘偷偷的搁浅。
一改一变之间，完全是你教给我温暖。你是我心中的碧海和蓝天，你给我自由，给我信念。你是我心喂，索尼。Angel， 是我，总代数。J'ai envoyé Sunny au ciel, mais je suis descendu en enfer. Angel, où es-tu? Je me sens tellement seul. Je viens juste de comprendre que ce n'est pas de la force que m'a donné Dieu, mais une punition. Chaque jour, je deviens plus fort. Mais j'ai le cœur qui se vide de plus en plus. Tout ce que tu mérites, c'est de souffrir encore plus. Angel. Tu es la seule personne que j'ai envie de voir. Quel que soit l'endroit où tu te caches, je peux te retrouver. Je veux que vous compreniez bien que si vous le faites, vous courrez un grand danger. Et si vous arrivez à le faire sortir de son trou, nous ne sommes pas certains de pouvoir le neutraliser. Je suis décidée. Je n'ai pas encore trouvé le moyen de vous guérir. Mais même si je le trouvais, je ne vous aiderai pas. Si Dieu vous a donné une grande force, votre cœur, lui, est beaucoup trop sombre. Et il n'y a aucun traitement pour ça. Vous feriez mieux de mourir. Angel, si je ne te trouve pas, des innocents vont mourir. Tu n'auras pas besoin de me chercher. J'ai eu le temps de réfléchir à tout ça. Et j'en ai conclu que nous n'étions pas si différents. Nous sommes de la même espèce. Et je suis aussi seule que tu peux l'être. Demain, c'est mon anniversaire. Tour Cao Lang, appartement 131. Je ne veux plus rien.
joyeux anniversaire. Alors souris-moi. Car dès maintenant, nous sommes amis pour toute la vie. Non. Nous allons être deux amants. Nous serons ensemble pour toujours. Nous deux? Oui. On ne se connaît pas. Si je me mets à penser à toi, je suis heureux. Tu ne peux pas savoir à quel point... Sais-tu au moins ce que c'est l'amour? C'est des sentiments. C'est ressentir et penser la même chose. C'est avoir besoin l'un de l'autre, c'est rire et pleurer en même temps. C'est ne plus penser qu'à l'être aimé. C'est ça, aimer quelqu'un. Mais tu n'es qu'un pauvre mutant pitoyable. Oh, tu viens avec moi. Je pourrais t'offrir tout ce que tu veux. Je ne veux que ta mort. Ça ne sert à rien. Tu viens avec moi. Ne tirez pas. Angel est avec lui. C'est trop risqué.
viendra. Celui... Quand je t'ai vu en vie, j'ai eu une drôle de sensation. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ah, Sunny, tu es venu pour mourir. Même si tu ne peux rien faire pour ton apparence, tu peux toujours être meilleur. T'as échoué en toi. Je veux pas être humain. Je veux juste être un dieu et rien d'autre. Dieu m'a donné la puissance. Je peux enfin avoir tout ce que je veux, même l'amour. Regarde-toi, Sunny. Tu es incapable de veiller sur toi, et tu voudrais être le maître des couteaux. Oh. Allez, viens. Lance tes couteaux. Thank you.
ne m'emmènes pas vite à l'hôpital, je vais vraiment finir par mourir. Ressens les choses avec ton cœur. Vise avec tes yeux. Lance avec force. L'air et le vent ne font qu'un. Tu dois être l'ami du vent pour qu'il puisse guider tes couteaux. Tu peux le faire, mon fils. Vas-y. Allez. Allez. Ouais. Tu l'as raté de peu. T'es trop fort, mon fils. Tu es le 28e descendant de la lignée des lanceurs de couteaux. Tu ne dois jamais l'oublier. Pour être un homme, tu dois agir comme un couteau.